Hey, salut l'équipe, c'est la team, nouvelle expérience en immersion. Je suis accompagné de deux charmantes filles ce soir pour le match Monaco-PSG. Avec moi, il y a Clara, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Super, je me kiffe là. Et Isadora, c'est ça? Yes. Voilà, donc on va suivre le match Monaco-PSG. J'espère juste que les filles, vous êtes au moins parisiennes. Bah, on habite à Paris, quoi. Paris. Non, parisienne, PSG, je te parle, moi. Ah non, on n'y connaît rien. Rien du tout. Non, mais les filles, vous n'allez quand même pas me faire le coup de Claudette. Vous n'allez pas me ramener des monégasques là. On l'a vu ta vidéo avec Claudette, elle était carrément cool. Elle était pas mal. C'est pour ça qu'on a envie que tu sois là avec nous. Au passage, gros bisous à Claudette, parce que franchement, je la kiffe. Carrément. Bon, maintenant les filles, c'est bon, on se tait, le match va commencer. Bon match. On se tait. Non, là, il y a le match, là. 90 minutes, je te demande juste de te taire, on tu vois. Ouais. Allez, Paris, tu peux le dire au moins? Allez, Paris. Bon, et toi? Allez, Paris. Ah, nul, tu vas voir, là. Et Monaco, la vengeance, elle arrive. Bon match à tous. Là, du coup, c'est dans quel cadre, en fait? C'est la Coupe de France? C'est quoi? C'est énorme. Merci à tous. Et pour, ils s'en foutent. Hein? De quoi? On voit quand même pas trop leur tête, je trouve. Hein. Bah, c'est le match. Ouais, mais tu vois, ils devraient faire des gros plans, un peu, ou des... Hein? Regarde, t'en as, là. Tu peux tourner la tête un peu? Juste tourne et tu retournes. Juste le temps d'un moment. On fait à la mi-temps, si tu veux. On fait la photo à la mi-temps, y'a pas de soucis. Nickel. Ouais. Sinon là, il se passe pas grand chose, hein. Tu vois, je me dis, on regarde un film là, bah on aurait déjà pris plein la vue. Plus de suspense. Ouais. Tu prends pas plein la vue là, Mbappé, ouverture là. Oh! Tête de ma mère, dommage! Il a raté. Dommage. Ouais, mais tu vois, moi ça me touche pas. C'est pas quelque chose qui m'attend, quoi. C'est. Bah regarde du ping-pong et écoute, que je te dise. Ouais, c'est pas, ça stimule pas, c'est pas intellectuellement. Ouais. Mais tu vois, le patinage artistique, ça me touche. Tu te sens de yoga avec nous, ça te chaufferait? Hein? Faire du yoga avec nous. Ah, j'en fais déjà du yoga. Mais je te sens tendu, tu vois. Je sens le but. Ah ouais. Ah, super! Il y a pas un chat? Super! Regarde les supporters, tu vois pas? Ils sont là, les ultras! C'est quoi l'hymne? De quel hymne tu me parles là? Attends! Attends, laisse-moi voir, s'il te plaît! Oh là là, attendez! C'est pas possible ça, vous êtes casse-couille! Ma parole! Vas-y, c'est bon là! Vas-y, c'est bon! Et je peux pas voir le ralenti du but là! Depuis tout à l'heure, vous parlez depuis tout le match là! Comment ça, dans le stade, on pourrait discuter en paix, il serait pas à côté de nous en train de... Ah, t'as des mots. Tranquille Mbappé, magnifique ce petit rond-point. Rond-point? Ouais, il a fait un petit rond-point là. Il faut connaître une cote pour regarder un. Et je te disais... T'es pas sérieuse là? Vas-y, donne-moi la télécommande là. T'es sérieuse ou quoi là? C'est où le truc là? C'est la deuxième mi-temps les filles. Juste, je vous demande un tout petit peu de concentration quand même. Mieux que la première. Avant la 55e minute de jeu, normalement, il y a 2-0. Normalement, s'il joue comme ça, là. Allez, hop. Allez, hop. Regarde, ça, c'est le cup. Tu vois ce que je veux dire? C'est un collectif ultra Paris. C'est tous les vrais supporters qui se déplacent, les vrais soudés, les guerriers. Tu vois pas, ils sont à Monaco, ils t'entendent que eux, frère. T'as compris ou pas? 2-0, ouais, j'ai compris. T'as les bottes de pizza? T'apprécies? Ouais, d'ailleurs, je vais me prendre une autre part. Et toi, t'apprécies le match? T'apprécies la petite hagra là qu'on leur fait là ou pas? Hein? Ouais? Ouf. Mais est-ce que vous êtes déjà allé dans un stade de foot? Ouais, pour regarder genre un concert quoi. Voilà, pour un concert. Ah voilà. C'est lui? Dommage. Attends, s'il te plaît. Mais juste confirme-moi, t'as juste 2 secondes à regarder. Bah attends, s'il te plaît, là, laisse-moi écouter là. Allez, Cavani, on sort vite, c'est pas grave. Mais regarde pas sortir, on sort vite. Tu aurais pu me dire quand même si c'est lui. Tu vois pas qu'on se prend un but là? T'es en train de me montrer ton téléphone. C'est Harry Potter, hein. Allez, les gars, on sécurise tout, on marque le 3ème. Elle est belle. C'est bon, tu veux pas te taire là? On regarde le match. Arrête de parler, s'il te plaît. C'est quand même fou, il reste que 8 minutes quoi. Tu te fous de ma gueule, oui. C'est ça, un délire, voilà. Tu m'énerves. T'as beaucoup d'hommes qui trouvent ça cool d'avoir cette espèce d'effet. Ouais, mais c'est rédhibitoire, les filles elles aiment pas ça, c'est comme les poils dans le dos quoi. T'as des poils? T'aimes pas? Ouais. Oh là là. T'as des poils dans le dos toi? Je pense pas. Si, c'est un peu. Non. Un berbe. Ouais. De toute façon, il reste 1 minute 47. Oui, tu vois qu'il se passe quoi. Non, après il y a les prolongations. Non, il y aura pas là. Et temps additionnel. Temps additionnel. Mais là, il va y avoir un temps additionnel. Toujours apparemment, parce que quand ils perdent du temps. Quand il y a des moments d'arrêt de jeu, comme les coups francs, des fois, moi, j'attends, tu vois.
Maintenant que je l'écoute un peu quand il parle, là, entre deux volantes. Entre deux volantes. Elle veut pas siffler. C'est un délire. Alors que là, on a dépassé les 3 minutes de conditionnel. Ouais, je comprends. Là, ça y est. Voilà, fin du match. Bon voilà, ça y est, victoire 2-1 contre Monaco. Franchement, elle est belle, 9 points d'avance. Aïe, ça fait plaisir. Ouverture du score de Cavani à la 19e minute. Désolé les filles, je pars en live parce que d'habitude, je fais un débrief dans la voiture. Mais on va changer cette habitude. Bref, je disais 19e minute, ouverture du score de Cavani. Ça faisait plaisir. Tu sentais qu'on était un petit peu dans le match, même si c'était un petit peu mou. La deuxième mi-temps, tu te rappelles? J'ai dit quoi? On va marquer le deuxième but avant la 50e minute, ouais. La 55e minute. Et on a marqué à la 51e, 52e parce que j'ai senti l'intensité, ouais. L'agressivité. Et ça fait plaisir, pénalty mérité. Après le but de Monaco, il est venu sur un coup franc, contré par Mbappé. Franchement, but dégueulasse. C'est voilà, mais bref. Mbappé, comme il t'a dit Neymar, tout est dans la tête. On a beaucoup raté, toi aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Vous avez fait une semaine... Un bijou, sa mère, la semaine qu'on a passée. Donc, tranquillou, reposez-vous bien. On se retrouve pour le prochain match PSG3 au Parc des Princes. Un petit mot pour leur dire au revoir. Bah, salut, on viendra te voir dans ta voiture pour te faire la prochaine fois. C'est une forceuse, elle, avec grand plaisir. Et toi, un petit mot pour la fin. À la prochaine, ça faisait plaisir de te recevoir. Bah, merci beaucoup. Carrément. Elle, dans la douceur. On va faire du yoga. Eh, hey, le yoga. Allez, on les quitte comme ça. Allez, merci, bonne semaine.